Les hommes du bataillon Lafi 6 sont de retour au Berkaï. Ils ont participé au maintien de la paix au Darfour et, de l'avis des responsables militaires, ils ont conduit leur mission avec brio. Un professionnalisme que la hiérarchie a salué hier. Bouma Ernest Nebi. Ils sont de retour au Berkaï après 12 mois de mission de maintien de paix au Darfour. Et c'est dans cette ambiance festive qu'ils ont été accueillis et félicités à Ouagadougou par la hiérarchie. Nous vous parlons ici des soldats du bataillon Lafi 6. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'ensemble du personnel du bataillon, le 6e qui vient d'entrer le Darfour, et sachant que le matériel qui est déployé aujourd'hui au Darfour a quand même souffert avec les missions. Et en dépit de l'état du matériel, ils ont pu accomplir avec succès les missions. Et c'est cette occasion pour les féliciter et féliciter le commandant de bataillon pour le sens de leadership qu'il a pu manifester durant ces 12 mois. Donc c'est une grande joie pour nous. Des difficultés, ces soldats en ont rencontré sur le terrain. Selon le commandant du bataillon, ces entraves n'ont rien enlevé à la détermination de ces hommes qui ont accompli avec succès leur mission. Elle s'est bien déroulée, nous sommes allés avec un effectif de 800, telle était la mission, et avec toutes ces péripéties. Ils étaient au nombre de 800 à leur départ pour le Darfour l'année dernière. Au retour, ils sont 799 car un des leurs n'a pas eu la chance de regagner le pays. Il s'agit du sergent Daoudaou Kadou, qui a trouvé la mort suite à une maladie. Recevez à nouveau nos vives félicitations. Que Dieu vous bénisse.